Eddie, fabrique-moi un dodo, s'il te plaît. Un dodo pour moi, oui, un dodo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on fabrique une poche. Alors c'est tout simple, une poche c'est un petit sac de couchage dans lequel votre furet pourra dormir. Alors regardez la suite de la vidéo pour savoir comment faire. Ah, et n'oubliez pas, laissez-nous aussi des commentaires pour savoir si votre furet a aimé la poche que vous lui avez fabriquée. À bientôt! Pour réaliser cette poche, il vous faudra donc un coupon de tissu polaire, une paire de ciseaux, une règle ou un mètre, une craie et votre machine à coudre. Alors la craie est facultative, un stylo pourrait tout aussi bien faire l'affaire. On va commencer cette poche en prenant votre coupon de polaire. Donc vous le pliez en deux, vous gardez bien la pliure qui nous épargnera une couture. Ensuite, vous mesurez une trentaine de centimètres d'un côté que vous marquez à la craie et vous pouvez découper. Et vous répétez la même opération dans le sens de la longueur. Les 30 cm, le marquage à la craie, puis le découpage. Une fois que vous avez obtenu ce carré, nous allons coudre les deux faces. Il nous faudra donc notre machine réglée sur un point droit normal. Puis coudre à environ 5 mm du bord. Et c'est parti! Une fois les deux côtés cousus, nous obtenons donc ceci. Donc là, la couture est extérieure et elle se voit un peu. Moi, je choisis de retourner l'ensemble et de faire une surpiqûre de manière à ce que la première couture en fait soit emprisonnée et que le furet ne risque pas de coincer ses griffes ou quoi que ce soit pendant qu'il dort dans sa poche. J'utilise donc à nouveau la machine à coudre au point droit à environ 1 cm du bord cette fois-ci. Voilà, la poche dodo est terminée. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à la liker et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez plus d'informations au jour le jour. On vous fait d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye! Retourne se coucher. Ah bah non, t'as réveillé maintenant.